Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron 3. Avec donc l'Allemagne qui continue son petit bout de chemin. L'Italie est presque tombée, la Yougoslavie va bientôt tomber aussi. Franchement là ça va être très rapide je pense. Honnêtement, je n'ai même pas regardé où étaient les points de victoire. Enfin, il y a quand même pas mal de points de victoire, c'est un pays relativement grand. Mais bon, c'est pas ça qui va les sauver. Je pense que leur armée doit pas être exceptionnelle en termes de qualité, par rapport à la mienne évidemment. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais faire une attaque générale et puis après, on verra par où il est plus intéressant de se diriger. Alors ça se passe bien partout. Ici j'ai quand même une attaque contre moi, mais honnêtement je pense que ça va aller. Alors en Italie on est quasiment venu à bout de cette poche. Ça représente quand même une grosse partie de l'armée italienne, il faut bien le dire. Alors là, je vais continuer à avancer. Je vais commencer à lancer mes blindés vraiment vers le sud. Alors, faut que je me méfie des Anglais, évidemment, qui font toujours des débarquements un peu n'importe où. Pour l'instant, ils se contentent de prendre des endroits qui ne me dérangent pas du tout. Mais ça va peut-être pas durer. Donc faut que je me méfie d'eux. Je suis en train d'organiser un débarquement vers Tanger, c'est ça? Je me rappelle plus, je suis trop nul en géographie, mais bon, je pense que c'est ça. Alors ici, je vais prendre 7 navires de transport. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais me prendre mes 3 destroyers, comme d'habitude. 3 croiseurs légers. 3 croiseurs lourds. Et pour l'instant, je vais prendre des croiseurs cuirassés. C'était pas ce que je voulais. J'aimerais bien avoir mes premiers destroyers, croiseurs. Ah, c'est pas la bonne flotte, pardon. Ah, mais j'ai pris trop de navires là. 18, c'est évidemment beaucoup trop. Léger, lourd, cuirassé, 7. C'est peut-être trop ce transporteur, je me rappelle plus. Oh putain. Ça a combien de capacité de transport ce bidule? 40. C'est peut-être trop 5. Le chiffre c'était peut-être 5 que je voulais mettre. Non, je pense que c'est 7, sauf que là c'est 2 à chaque fois, pas 3. Ok, ça fait 15, ouais, c'est beaucoup trop là. Je vais mettre qu'un croiseur cuirassé, ça fait 14. Et je vais mettre que 5 transporteurs. Ça fait 12, c'est déjà beaucoup plus raisonnable, je pense. On va lui trouver un bon leader. Vieille garde. On va éviter peut-être le vieil garde. Ouais, c'est pas grave. Par contre, là, il a peut-être un peu trop d'étoiles. Je sais pas à quoi ça sert de lui en donner autant. 12 navires, c'est bon. Alors le but maintenant, ça va être de rejoindre la Méditerranée sans se faire choper. Je vois qu'il a ramené des bombardiers. Je vais être obligé de ressortir vers le nord là. Ok, j'ai tout gagné. Donc ça, c'est mon groupement aérien. Ça, c'est ma garnison. Je vais commencer un corps. On arrive à venir à bout de la modernisation. On va pouvoir recommencer à produire un peu plus. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont là. On va faire de l'interception sur 100 km.
C'est toujours les mêmes trois bombardiers à chaque fois. À chaque fois, ils reviennent pas, hein, ils se réparent et ils reviennent dans une semaine, grosso modo. Alors, là, c'est parti pour Rome, je pense. Donc là, on va direct aller à la capitale. On va essayer de les couvrir un peu, mais... Il y a beaucoup de bombardiers ennemis. Il va falloir que j'avance quand même. Ça va être un peu plus dur que prévu. Voilà, c'est parce que j'attaque pas vraiment en fait. Mais si j'attaque sur tous les fronts, je pense que ça va le faire assez rapidement. Merde, c'était lequel? C'était le 35e, j'espère. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des résultats inquiétants? Vérone. Ouais, ça, j'ai perdu un territoire. Ah, ouais, bon. C'est qui ça? Ah, c'est les Italiens, oui, d'accord. Ils le perdent au profit de la France, puisqu'ils partent d'un territoire français. Ouais, bon, là, c'est fini. Ah, c'est beaucoup d'unités italiennes qui vont disparaître d'un coup, là. Alors ça, faut que je surveille, mais a priori, je suis en retard sur toutes les sciences. Il y a beaucoup de travail quand même. Là, par contre, je suis en avance. C'est pas très sérieux. Alors, du coup, je rattrape mon nombre de projets, là, c'est bien. Ça, ils peuvent continuer, ça m'intéresse pas trop. Alors, je vais surveiller quand même un peu, voir ce qui se passe. Voilà, je peux avancer que ici. Là, j'ai des unités qui font rien. Non, elles sont toutes au boulot. Là, je peux avancer. Qu'est-ce que foutent là, ces deux-là? Ah, mais j'ai des blindés aussi. J'ai un peu oublié de replacer. Alors, qu'est-ce que ça donne ma flotte? Elle est arrivée jusqu'ici, donc maintenant je vais la faire aller ici. Et là, on s'approche du coin un peu sensible, voire très sensible. En plus, elle n'avait pas de ravitaillement, donc c'est chaud. Ouais, je l'ai pas mis où il fallait, je crois. Putain. Si, si, c'est bon. Ah, on arrive à un peu moins de modernisation. Ça arrive au bout. Ils sont arrivés à la maison. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette unité blindée? Est-ce que je continue l'encerclement? Là, il y a un bon encerclement à faire, évidemment. Le problème étant que je manque peut-être de troupes pour le faire. Voilà, je crois que je vais quand même attendre. Essayer d'encercler tout ça. Bon, bah là c'est parti. Peut-être m'arrêter là quand même. Je vais me retrouver isolé si je fais ça. On n'est pas trop pressé non plus. Là, il a fini par arrêter son attaque. Là, je peux attaquer en soutien. En avant sur Venise. Équipage de croiseurs amélioré. Donc là, j'ai dit que j'étais sans doute sur la bonne année. Ouais, 41. Par contre, la 39, c'est pas bon. Ah, j'ai peut-être fini mon groupe. Non, pas tout à fait encore.
Ça devient bon, sauf que celui-là a un peu de retard. Ok, après j'ai beaucoup de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai fait ça? Base des 7 fusées, non ça va pas. Ça doit être une erreur. Oui, j'ai pas... Non, là honnêtement... Il y a un moment j'ai pas dû appuyer sur la bonne touche parce que là je vois vraiment pas ce que j'aurais pu en faire de ce truc. Bon, là ça avance. Là c'est comme si c'était fini. Alors, ça c'est bon. Ce que je vais faire, je vais quand même débarquer en Afrique avec peut-être plus d'un corps. Histoire d'avancer. Il y a beaucoup de territoire à prendre assez facilement en fait. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de défense. Donc j'aurais tort de m'en priver. Il va falloir que je ramène, que je fasse une armée africaine, un Africa Corps. Avant, il faut que j'en finisse avec ça. Bon, honnêtement, je pense que il y a beaucoup d'unités, mais ouais, elles sont toutes à moitié mortes. Ça va être très rapide. 41. Ouais, c'est fini. Est-ce qu'elles vont pouvoir fuir là? Tout d'un coup, j'ai un doute. Je vais faire un redéploiement stratégique. Parce que je vois qu'elles sont en train de fuir toutes vers Alexandrie. Ça m'inquiète un peu, j'avoue. J'ai un peu merdé sur l'encerclement, il faut bien le dire. C'est pareil, j'ai un peu merdé sur l'encerclement. Qu'est-ce que je fais là? J'avance. Là, je peux avancer. Là, je vais attendre. Là, je peux aller là. Un d'industrie de libre, oh, c'est bizarre ça. Ah non, c'est la modernisation qui s'est finie. Ah bah, me voilà en train de reproduire 276. On va quasiment tout produire. Zagreb, ça c'est bon. Alors, bah voilà, tout a été détruit ici. Donc, ce que je vais faire, je vais de ce pas récupérer, je pense, déjà un premier corps. Ça suffira pas un, mais ce sera déjà pas mal. Lui, il faut que je continue à l'avancer un peu. Je vais le mettre ici. C'est là que ça a commencé à être très très chaud. Et merde, voilà, ça commence mal. Évidemment, le but c'est de fuir le plus vite possible avant de perdre trop de navires. Et voilà, putain. Et en plus, ils sont. Ah putain. Ah, ça va être galère de passer. Ils vont pas me louper, hein, ça c'est clair. Bon, première tentative. Avorté. Et du coup, il faut que je récupère un transporteur, c'est ça le pire. Je serais bien tenté de le faire y aller tout seul. Ok. 25. 51
de production, la modernisation est quasiment finie. Donc là, je les ai encerclés, c'est bon, j'ai réussi quand même finalement à leur couper la route. Là, par contre, ça va poser problème. Il faudrait que je descende par là. Là, c'est bon, là, c'est bon. On va pouvoir avancer. Toujours pas pris Venise. Ah là, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à suivre, j'avance trop vite. Là, je vais quand même attendre un petit peu que les troupes arrivent. Alors, ma flotte, ça donne quoi? Eux, ils ont réussi à avancer jusqu'ici, donc je vais faire ça. On n'est pas tout à fait encore en Angleterre, donc il y a des chances que ça passe. De justesse, il y avait quand même bel et bien un bateau ici, prêt à nous intercepter. Alors j'ai vu qu'il y avait des bombardiers allemands. Non, ils sont plus là, d'accord. Donc eux, ils avancent tout seuls, là, ça me convient pas très tout à fait, évidemment, mais bon. D'un autre côté, il faut que les choses se fassent. Alors ça, ce sera une deuxième... Un deuxième groupe pour débarquer. Si j'arrive à ramener des navires. Là, il faut que j'attende qu'ils soient réparés. Hein. Si je sors alors qu'ils sont pas réparés, c'est mortel. Dès qu'ils vont se faire intercepter, ils seront coulés. Alors, eux, ils ont vraiment pas beaucoup d'unités. Ils sont 66%, c'est que dalle. Lui, il va aller là. Eux, ils en sont où? Ah, pour l'instant, ils sont qu'à 50%, mais l'Italie, Rome représente un gros morceau. Ok, c'est parti. Ah, il va falloir que je répartisse ça de nouveau. Ah, la garnison, c'est fini. Ah, j'en ai même un de trop peut-être. Ouais. Alors, garnison, je vais rattacher ça directement, je pense, au QG le plus proche. Ben donc, ce sera à l'ouest, hein. Rattaché au B ouest, ouais. Et donc, le but, c'est de l'amener ici. Et d'occuper un certain nombre de ports, genre celui-là, 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 et peu importe celui-là. On va pouvoir se regrouper ici par exemple, et préparer notre futur débarquement en Afrique ici. On arrive. Là, faut vraiment que j'attende, je pense. Est-ce que le port est... Je suis un port de taille 5. Ouais, j'aurais pas mieux. Ah mais non, c'est parce que je produis... Faut que je produise plus, là. Je me demandais ce qui se passait. Alors, je pense que je vais partir sur... Un groupe de parachutistes de plus. Ah, ils sont loin d'être prêts, hein, mais il m'en faut absolument d'autres. Cinq, c'est parfait. Voilà, ça me met à 380. Donc là, ça avance. Ce qui m'ennuie, c'est vraiment cette position là de la garnison ennemie. Oh, c'est pas vraiment un souci non plus. C'est parti. Je vais regarder ce que ça donne mes bombardements. Donc lui, il bombarde plus a priori. Je vais lui donner une cible, genre celle-là.
celui-là aussi. Celui-là, est-ce qu'il a fini? Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je pense qu'il a pas vraiment fait grand-chose. Il avait pas d'organisation. Il y a pas mal de bombardements ennemis côté. Bah, des deux côtés, en fait. Côté italien et côté yougoslave. Ouais, honnêtement, c'est plus qu'une formalité, à mon avis, cette guerre. Rome va tomber très vite. Là, ils ont tellement peu d'unités que je pense que ça va être pareil assez rapide. Il y a beaucoup de combats. Hein. Ah, mais j'avais fait deux groupes de. J'avais peut-être fait deux corps de garnison déjà, dès le début. Oh, ça me paraît beaucoup ça. J'ai peut-être fait une boulette quand j'ai lancé mes flottes. Alors ça, ouais. Là on va avoir un petit problème pour réduire la poche, c'est que j'ai pas fait exactement comme il fallait. Là c'est déjà en cours. Ah merde, j'ai perdu une province, j'ai pas regardé où c'était. Bon, c'est pas grave, là c'est là. Je vais aller la reprendre. Pourquoi je peux pas tourner là? Ah si, c'est bon. Mon chrome, ça se fait. Là, je suis en train de transférer mes unités. Là, j'espère qu'il répare. Pff, pas très vite, a priori. Ah bah, décidément, de la garnison, finalement, j'en avais fait pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas tout à fait assez d'espions. Je vais augmenter un peu le chiffre. Là, je pense que tout est bon. J'ai pas trop regardé depuis tout à l'heure. On est en 40. Ouais. Et tout ça, je pourrais le faire, mais bon, pour l'instant, je suis quand même 48 projets sur 44. Donc, c'est pas la peine de tout lancer. Ça, c'est bon. Il y a un petit peu moins de combat, ça se calme. Je vais pas tarder à arrêter la vidéo. C'est la sauvegarde là qui m'y fait penser. Pas que je fasse des épisodes trop longs comme d'habitude. Tiens, j'ai quand même, on dirait, quelques difficultés à passer sur la capitale. Là, j'ai deux unités qui font rien. Et malheureusement, je peux pas. J'ai pas trop de soutien de disponible. Je vais peut-être arrêter. Oh non, remarque, on est vraiment au tout début du combat. Alors. C'est où ça? Je pense que c'est toujours. Je crois que c'était là. Hein. On est toujours en retard. Bon, Rome veut pas se rendre. Par contre, je pense que dès que la bataille sera finie, mes troupes vont rentrer dans la ville. Entraînement de l'équipage de sous-marin. Donc ça, c'est du naval. Ouais. J'attends justement d'avoir des sous-marins, un sous-marin en plus de disponible. Ma cavalerie. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais que j'en ai une ici qui est reliée à ça. Ah, le corps est pas complet, loin de là. C'est le 22e corps. Rattaché, 22e corps. Qu'est-ce que j'en fais pour l'instant? Je vais aller le mettre là. « 484 d'industrie. C'est bizarre, j'étais monté à 500.
Ça doit être encore les Allemands qui ont dû bien me pilonner, ça. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. L'épisode est déjà assez long. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain matin, il me semble, pour la suite de ce Let's Play.